Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc France Télévisions qui est en quête d'argent. Va-t-on avoir la double peine? Hausse de la redevance et retour de la publicité. Jean-Marie Nitschenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et la nouvelle présidente du groupe public étudie donc toutes les pistes possibles pour financer ses projets. Oui, Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télé est ambitieuse, très ambitieuse même. Elle le répète à tous ses interlocuteurs, elle veut créer un service public fort et surtout, elle veut avoir les moyens de ses ambitions. Oui, mais voilà, la situation du groupe ne lui permet pas en l'état de financer cette politique conquérante. On parle d'un déficit de 10 millions d'euros pour l'année 2015 et ça oblige forcément à se creuser les méninges, à trouver des solutions. Parmi elles, il y a une idée à laquelle on pense tout de suite, c'est l'augmentation de la redevance, un sujet sur lequel François Hollande s'est exprimé lundi dernier lors de sa conférence de presse. Il faut des financements, mais la redevance télévisée ne peut pas être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que là aussi, il faut maîtriser l'appel à la contribution. Il faut que le service public puisse être financé, la redevance a son rôle, mais pas seulement la redevance. Et c'est pourquoi des solutions, des réflexions sont engagées. Les arbitrages viendront à la fin du mois. Il y a l'idée d'élargir l'assiette de la redevance aux objets connectés. Je n'y suis pas favorable. Il peut y avoir d'autres pistes. Et c'est à partir de la nécessité de financer le service public, de ne pas en appeler à la redevance de manière exagérée, que nous aurons à fixer nos décisions. Pas de manière exagérée. Oui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais. Hein, mais ce qu'on comprend néanmoins, c'est que ça ne serait pas cohérent dans un contexte de baisse des impôts, d'allègement de la pression fiscale. Ce serait très impopulaire, mais on sent aussi dans les propos du président que ce n'est pas totalement exclu. Hein. On pourrait aussi imaginer un élargissement de l'assiette pour toucher plus de foyers. On vient de l'entendre, hein, l'idée de taxer les smartphones et les tablettes a été abandonnée. En revanche, celle de taxer les abonnements Internet est une option crédible. Mais au gouvernement, le sujet divise. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, est favorable à cette idée, mais ses collègues Emmanuel Macron à l'économie et Axel Le Maire au numérique, ils sont eux farouchement opposés. Alors il reste un autre levier, c'est le retour de la pub après 20h. Oui, vous le savez, depuis 2009, la publicité a disparu des chaînes publiques entre 20h et 6h du matin. Voulue par Nicolas Sarkozy, cette loi avait pour but de libérer France Télé des contraintes d'audience. Sans la publicité, le groupe avait donc en théorie les mains libres dans ses choix éditoriaux. Les mains libres certes, mais les poches moins pleines aussi. À France Télévisions, on estime qu'un retour de la publicité entre 20h et 21h pourrait rapporter jusqu'à 100 millions d'euros par an. Une manne qui permettrait d'équilibrer les comptes et de financer les projets de la nouvelle présidente. Ce sujet du retour de la pub, c'est un serpent de mer qui réapparaît régulièrement. Il y a encore quelques mois, c'était encore un sujet tabou. Il ne fallait pas en entendre parler. Aujourd'hui, on sent que la crispation est beaucoup moins forte sur le sujet et le gouvernement reconnaît plancher sur cette éventualité. Quoi qu'il en soit, si Delphine Ernotte obtenait ce retour de la pub après 20h, elle réussirait là où Rémi Flumelin s'est cassé les dents. Bon, alors soyons clairs maintenant, quand est-ce que le gouvernement va prendre sa décision? Alors le Premier ministre et le président de la République trancheront dans les prochains jours, au plus tard à la fin du mois. Et sur ce sujet, il se prépare à affronter une vague de critiques, hein, quoi qu'il fasse. Sur la redevance, une augmentation même légère ou un élargissement serait perçu comme une taxation supplémentaire. Et sur le retour de la publicité après 20h, ce n'est pas le contribuable qui ferait grise mine, mais la concurrence de France Télévisions. Les actions de TF1 et M6 ont d'ailleurs décroché hier après les rumeurs de ce retour de la pub sur le service public. Bref, un sujet on ne peut plus épineux qui risque de faire beaucoup de mécontents. Merci beaucoup Jérôme Yannitschenko. En tout cas, moi je fais le pari qu'on va avoir les deux, à la fois le retour de la pub entre 20h et 21h et à la fois une augmentation de la redevance limitée. C'est quoi l'expression de François Hollande? Comment il nous a expliqué ça? Pas de manière exagérée. Pas de manière exagérée, voilà. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1, ce sera le zapping. A tout de suite.